Mesdames, Messieurs, bon après-midi et merci de nous retrouver ici à la clinique de l'aéroport pour une autre édition de votre magazine Check-up consacré à la santé sur Canal 2 International. Aujourd'hui, une autre problématique à l'ordre du jour, les troubles du sommeil. Et pour en parler, nous avons rencontré le docteur Jefté Mbangé-Lobé. C'est l'unique médecin du sommeil que nous avons rencontré ici au Cameroun. Il répondra certainement à nos préoccupations. L'entretien, ce sera tout à l'heure. Bon après-midi, nous vous l'avons annoncé dès l'entame de ce magazine sur la santé. Nous allons nous entretenir avec le docteur Jefté Mbangé-Lobé. Il est donc spécialiste des pathologies du sommeil. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle de pathologie du sommeil, ça renvoie à quoi exactement? Ça renvoie à tout ce qu'on peut avoir comme difficulté pendant le temps qu'on dort. C'est-à-dire, vous savez que on passe le tiers de notre vie, en moyenne, à dormir. Et il y a des pathologies qui ne se manifestent que pendant le sommeil, ok, qui ne se manifestent pas en dehors du sommeil et qui peuvent ou pas impacter notre vie d'éveil. Mais on n'entend pas beaucoup parler de médecins de sommeil. Au Cameroun. Mais parce que le Cameroun n'était pas encore entré dans la modernité. On ne savait même pas que s'il existe une spécialité consacrée aux troubles du sommeil. C'est les neurologues qui s'occupaient tant bien que mal de ces malades-là. Voilà. Mais en France et dans les pays occidentaux, dans les grands pays, la somnologie ou la médecine du sommeil est une spécialité à part qui fait l'objet d'un enseignement très sélectif et des examens extrêmement précis et très sélectifs. Ici au Cameroun, on a connu la trypanosomiase, oui. Le docteur Jameau. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres maladies plus ou moins courantes? Alors, la trypanosomiase a eu son temps. Je pense que ça doit être quelque chose d'extrêmement rare maintenant. Voilà. Et bon, elle a eu son temps. Et elle a fait connaître quand même les pathologies de sommeil parce que la trypanosomiase africaine intéresse la médecine du sommeil en ce que dans sa phase ultime, c'est-à-dire dans la phase méningo-encéphalique, le malade fait des narcolepsies secondaires. Donc il passe la journée à dormir. Il dort bien la nuit et puis il passe la journée à dormir. Bon. C'est pour ça qu'on a appelé la maladie du sommeil. Mais ce n'était pas à proprement parler une maladie du sommeil, c'était que un symptôme. C'était un symptôme de la maladie. La maladie elle-même étant une maladie parasitaire, avec un symptôme sur le sommeil. Maintenant, au Cameroun, depuis que je suis là, je vois que les insomnies restent la grande, grande pathologie du sommeil. 90% des malades qui viennent me voir sont des insomniaques. Bon, maintenant, avec toute la sensibilisation que nous sommes en train de faire, notre entretien y compris, les différentes pathologies vont se manifester au fur et à mesure. Et on pourra avoir donc une bonne vitrine, n'est-ce pas, de ces pathologies-là. Pour l'instant, ceux qui se manifestent le plus, ce sont ceux qui sont les plus déprimés, ceux qui sont les plus anxieux, c'est les insomniaques. Et les événements de la vie qui peuvent donner lieu à des insomnies sont protéiformes, sont diverses. Je pourrais citer par exemple les accidents mortel de la route. Quelqu'un qui a échappé in extremis à un accident mortel, il a fait un accident, les gens sont morts, il a survécu. Cette personne-là peut devenir facilement un insomniaque parce que les images de ces accidents vont revenir et vont le hanter et il peut facilement en faire un insomniaque. Les viols, les tentatives d'agression. J'ai parmi mes malades un qui est devenu insomniaque lorsque 7 criminels sont venus chez lui pour en finir avec lui. Il a eu la vie sauve parce qu'il n'était pas là. Ses insomnies se sont aggravées lorsque, 2 ans après, les commanditaires du crime ont été libérés. Alors, ça se passe à Douala. Voilà. Donc ça, les agressions, les tentatives de crime, etc. sont... Alors, plus couramment, les divorces, surtout chez la femme.
Chez les hommes, vous avez quand la femme, la fiancée part avec des enfants. Vous avez toutes ces situations avec conflits psychologiques. Cette dame qui est mariée, qui vit avec un homme, mais qui a des difficultés avec son mari, parce que le mari est pénible. Il est peut-être volage, il est peut-être ivrogne ou violent. Et elle a du mal à décider si, oui ou non, elle doit rester. Ce conflit psychologique, c'est-à-dire on ne sait pas si on sort ou si on reste. C'est très, très, très insomniant, ces situations-là. Mais j'ai vu aussi quelque chose qu'on ne peut pas trouver facilement dans les livres, mais que l'on trouve chez nous en Afrique, au Cameroun en particulier, c'est les craintes superstitieuses. Vous savez, nous sommes Africains, nous croyons à l'existence des créatures spirituelles, des créatures invisibles qui nous côtoient, qui sont autour de nous, ok, et qui sont manipulées par les sorciers ou par etc. Alors, lorsqu'il y a une crainte superstitieuse, on crée un phénomène surnaturel. Cette crainte-là est très insomniaque. C'est le cas de cette femme qui vit avec un homme maritalement et elle découvre que cet homme est rosicrucien. Elle trouve de la littérature. Elle se sépare, mais elle garde par devers elle une crainte. Elle pense que cet homme peut l'ensorceler puisqu'ils ont eu des rapports, etc. Et cette crainte-là a causé chez elle une insomnie. Sans compter donc les difficultés professionnelles, sans compter les revers en affaires, sans compter les pertes d'emploi, sans compter les difficultés, n'est-ce pas, économiques. J'ai un enfant qui m'a marqué, un monsieur qui est venu me voir. C'est son insomnie a commencé quand il avait 15 ans. Pourquoi? Il vivait au village. Son père était très pauvre. Il vivait dans une maison en natte. Et tous les débuts de saison de pluie, il fallait changer toutes les nattes, n'est-ce pas? Et à côté, il y avait d'autres qui vivaient dans des maisons en dur, relativement plus confortables. Alors, il passait ses nuits à réfléchir sur la pauvreté de ses parents. Il passait ses nuits à réfléchir sur la pauvreté de ses parents. Et du coup, commence l'insomnie. Laquelle insomnie va le suivre jusqu'à l'âge adulte. Alors, il y a plusieurs, six ou sept grandes familles. La première grande famille, c'est les insomnies. Okay. La deuxième grande famille, c'est les hypersomnies. C'est ceux qui dorment trop, qui dorment plus de 11 heures de temps par jour. On peut aussi mettre dans cette famille ceux qui dorment, qui somnolent le jour. C'est-à-dire qu'ils dorment à contre-temps, qui somnolent le jour, n'est-ce pas? C'est là qu'on trouve les narcolepsies, avec cataplexie, sans cataplexie, les hypersomnies idiopathiques, les maladies de Klein-Levin. Et les narcolepsies secondaires. Ça, c'est une deuxième grande famille, les hypersomnies. Et puis, on trouve maintenant les ronflements et les apnées de sommeil. Les ronflements et les apnées de sommeil. C'est là que vous avez donc les apnées obstructives, les apnées centrales, les apnées mixtes, les apnées combinées, les apnées complexes, les apnées induites, alternantes, etc. Ça, c'est une autre grande famille. Vous avez maintenant les troubles moteurs. C'est des gens qui font des mouvements anormaux pendant le sommeil. C'est là que vous avez les rythmies du sommeil, par exemple, chez le jeune enfant. Voilà. Et puis, vous avez une autre grande famille, c'est la famille des parasomnies, c'est-à-dire des troubles du comportement pendant le sommeil. C'est là que vous trouvez le somnambulisme. Et dans le somnambulisme même, il y a ce que nous appelons le sleep driving, le somnambule qui descend les escaliers, qui prend sa voiture, qui roule dans la route, qui fait des accidents, qui va commettre un crime, des choses comme ça, somnambulisme. Et puis, ou alors celui qui va dans la cuisine, il mange, et puis le lendemain, il ne s'en souvient pas du tout. Pour avoir un sommeil reposant, il faut avoir déjà un temps de sommeil normal. Et le minimum de temps de sommeil normal, c'est 6 heures de temps. Il faut dormir au minimum 6 heures de temps par jour. OK? Bon. Deuxième chose, il faut que ce sommeil soit profond. Donc, nous avons deux stades de sommeil qui rendent le sommeil reposant et réparateur. C'est le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Si vous ne dormez pas assez dans ces deux phases de sommeil, votre sommeil ne sera pas profond et ne sera pas reposant. Et le matin, vous aurez l'impression que vous avez dormi, mais vous n'avez pas dormi profondément. OK? Voilà. Donc il y a la quantité,
et puis il y a la qualité. Mais comme on est au Cameroun, il y a des personnes généralement qui travaillent fréquemment beaucoup, qui ne dorment pas assez. Est-ce qu'il y a la possibilité de choisir un jour pour récupérer la perte de la semaine? Ils essaient de récupérer, mais le sommeil de jour ne compense que très partiellement le sommeil de nuit. Parce que le sommeil de jour, d'abord, il ne va pas avoir la même durée. Il se fait avec beaucoup d'éclairage. Il est difficile d'avoir l'obscurité qu'il faut. Il se fait dans le bruit du jour, n'est-ce pas? Et puis dans l'activité humaine, etc. Voilà, donc il peut difficilement compenser le sommeil de nuit. Donc celui qui ne dort pas suffisamment la nuit a toujours une dette de sommeil. Il vit avec ce que nous appelons une dette de sommeil ou une privation de sommeil. C'est ça qui va l'amener à avoir une somnolence diurne excessive, à avoir une fatigue diurne, n'est-ce pas, et à développer des maladies comme des troubles cognitifs, hein, c'est-à-dire il va avoir baisse de l'attention, baisse de la vigilance, baisse des capacités de concentration, baisse des capacités... des symptômes, des capacités d'acquisition de connaissances, c'est-à-dire d'apprentissage, et puis baisse de la mémoire. Ça, ce sont des... Et il peut développer à la longue des troubles de l'humeur, l'anxiété et la dépression. Et ça peut aller jusqu'aux idées suicidaires. On a également un phénomène, hein, l'attitude piquée. Du nez, certaines heures, ça devient de plus en plus récurrent. Nous appelons ça en médecine du sommeil la somnolence diurne excessive. C'est la personne qui pique du nez, au matin, à midi, l'après-midi, en fin d'après-midi, il passe le temps à piquer du nez. Parfois, il est au travail, il pique du nez, il est dans une salle en réunion, il pique du nez, il est dans un taxi, il dort, parfois le taxi l'emmène plus loin que de raison, etc., etc. Nous appelons ça la somnolence diurne excessive. Maintenant, elle peut être une maladie en soi. Très souvent, elle n'est pas une maladie en soi. Elle est une expression d'une privation de sommeil. C'est-à-dire que cette personne n'a pas un sommeil de nuit satisfaisant. OK ? Donc, elle compense par un sommeil de jour. OK ? Et ce sommeil lui-même n'est pas profond, mais il contrarie l'éveil. Maintenant, il peut aussi y avoir des gens qui, dans la journée, font un sommeil profond. Nous appelons ça des attaques de sommeil ou des accès de sommeil incoercibles. Là, ce n'est plus le malade qui pique du nez. C'est celui qui s'endort profondément jusqu'aux rêves, aux heures de journée et aux heures de travail. Et les heures de travail, parfois, on vous dit que c'est important de dormir au moins. Si vous avez sommeil pendant la journée, c'est bien de dormir 5 minutes, 10 minutes. Oui. C'est important. Oui, ça peut être important entre 14 et 15 heures. Ce n'est pas bien quand ça va au-delà de 15 heures. Parce que quand ça va au-delà de 15 heures, ça diminue la pression de sommeil à l'heure de coucher. Parce que pour avoir une bonne pression de sommeil à 23 heures, il faut avoir 16 heures d'éveil. Donc, il faut éviter les sommeils qui viennent après 15 heures. Alors, vous avez parlé de durée de sommeil normal, 6 heures. 6 heures minimum et 11 heures maximum. Adulte, adolescent, enfant, c'est pareil? Adulte. Alors, pour les enfants, le temps de sommeil varie selon l'âge. Entre 0 et 2 ans, l'enfant dort 16 à 17 heures par jour. Entre 2 et 6 ans, il dort entre 13 et 16 heures par jour. Entre 6 ans et 12 ans, il dort entre 10 et 13 heures par jour. Et entre 12 et 18 ans, il dort entre 8, n'est-ce pas ? Et 10 heures par jour. Et à 18 ans, hein, au-delà de 18 ans, il est rendu à 8 heures de sommeil. Mais vous avez des enfants aujourd'hui qui ne dorment pratiquement plus. C'est-à-dire que vous avez un enfant de moins de 2 ans, d'à peine 1 an et demi, qui pratiquement est plus éveillé que tout le monde dans la maison. C'est pas normal. Un enfant de 2 ans doit avoir entre 2 et 6 ans, et il doit avoir entre 13 et 16 heures de sommeil. Voilà, s'ils ne dorment pas beaucoup, c'est pas bien. Alors pourquoi ils ne dorment pas? Ils ne dorment pas parce que physiologiquement, un enfant à ces âges-là a un retard de phase. C'est-à-dire il a tendance à dormir tard pour se lever tard.
Ouais. Et ils aggravent ce retard de phase par tout ce qu'ils ont comme environnement électronique, hein, les gadgets électroniques. Et non seulement parce qu'ils sont occupés aux heures de sommeil, mais aussi parce que la lumière que ces gadgets renvoient a des propriétés physiques particulières. Elles ont de longueur d'onde. Tout le monde met le téléphone pratiquement sous l'oreiller. Voilà. Ou alors les téléviseurs dans les chambres. Voilà. Est-ce que ça a un impact? Ça a un impact extrêmement négatif. Extrêmement négatif. Dans l'hygiène de sommeil, on rappelle aux malades qu'il faut éviter d'avoir un téléviseur dans la chambre. La chambre n'est faite que pour dormir et pour avoir des rapports sexuels. Il n'y a pas autre chose dans la chambre. Il n'y a pas de télévision. Il faut tout arrêter pour respecter le sommeil. Donc, je disais que ces enfants, avec toute cette électronique-là, ils dorment encore plus tard. Déjà, ils sont naturellement, du fait des remaniements qui se font dans leur cerveau, ils ont tendance à avoir un retard de phase. Maintenant, quand ils utilisent ces gadgets, ils dorment encore plus tard. Voilà. Maintenant, ils ont tendance à se lever aussi plus tard. OK ? Or, la société des hommes veut que vous pouvez décider quand vous dormez, mais vous ne décidez pas quand vous vous levez. Hein, parce qu'elle est cadencée pour amener tout le monde à être debout à 6 heures. Donc ils gardent donc une privation de sommeil. Ils dorment tard, mais ils se lèvent tôt. Donc, ils vivent avec une privation de sommeil. Ils essaient de rattraper ça les week-ends. Et en rattrapant les week-ends, en dormant plus, ils désorganisent davantage leur horloge interne. Donc, ils sont portés à des désordres de sommeil, effectivement. Alors, on rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le docteur Jeffrey Van Gelder. Vous êtes médecin spécialiste des pathologies du sommeil, titulaire du diplôme interuniversitaire de sommeil et de pathologie de Paris, section 2018. Alors, il faut regarder cette caméra et donner un conseil à toutes les personnes qui nous regardent pour ce qui est de troubles de sommeil, au regard du décalage des habitudes aujourd'hui dans notre société, avant qu'on ne revienne sur votre statut de spécialiste du sommeil. Alors, le conseil que je donne à notre cher téléspectateur, c'est de dire il faut aimer et respecter son sommeil. Okay, je pense que ça résume tout. Il ne faut pas considérer le sommeil comme un luxe. Il ne faut pas brader son sommeil contre la carrière, contre les études, contre l'acquisition des biens. Il faut le respecter. Nous avons un maximum de 18 heures d'éveil par jour et un minimum de 6 heures de sommeil. Il ne faut pas faire dans les 6 heures de sommeil ce qu'on aurait dû faire dans les 18 heures d'éveil. Donc, tout est dans l'organisation. Il faut organiser sa vie de manière à faire tout ce qu'on a à faire dans les 18 heures d'éveil et de sacraliser les 6 heures de sommeil. Alors, combien de temps, pour revenir à vous en tant que spécialiste, combien de temps faut-il à un médecin généraliste pour se former en pathologie du sommeil? Alors, dans la tradition française, c'est 1 an. Dans la tradition belge, c'est 2 ans. Voilà, donc c'est un peu ça. Et la plupart des gens qui vont faire ces formations sont déjà spécialistes. Ils sont neurologues, ils sont pneumologues, endocrinologues, psychiatres. Nous étions 300 dans notre promotion. Et nous étions une poignée de généralistes. En général, c'est des gens qui sont déjà spécialisés qui viennent faire. Ça dure 1 an, mais le taux d'échec est de 70%. C'est-à-dire les spécialistes français eux-mêmes échouent à 70%. Alors, où se trouvent les bonnes écoles? Les bonnes écoles, je crois que la France, elle est bien outillée pour donner une bonne formation. J'ai aussi fait un tour en Belgique pour voir. Bon, je pense qu'eux aussi se battent bien. Mais je crois qu'il faut que nous, Africains noirs, nous commencions à former nos somnologues. Pour sortir finalement de cet entretien, depuis que vous êtes installé au Cameroun, notamment ici à la clinique du Lavoport, est-ce que vous avez l'impression que le Camerounais comprend le fait que vous soyez là pour une pathologie telle que le sommeil? Oui, je pense que c'est de plus en plus. Il y a tellement de gens qui gémissent du fait de leur sommeil troublé, malade, et qui n'ont pas eu de réponse appropriée, qui ont fini par se résigner, qui vivent dans la détresse. J'ai reçu des malades qui me disent « je ne dors pas hier encore, je ne dors pas depuis 15 ans, je ne dors pas depuis 30 ans. » Il y en a une qui a passé son temps à pleurer à mon bureau, qui me disait « je pleure tous les soirs, parce que quand je vois la nuit venir, je sais que je vais encore souffrir. » Elle a fait la ronde des médecins,
n'a pas eu de soulagement. Et chaque nuit est pour elle détresse, dépression, tourment, enfer. Voyez. Donc il y a beaucoup de malades qui gémissent, qui ne savent pas où donner de la tête. Et de plus en plus, comme on en parle, et c'est pour ça que je vous remercie infiniment de me donner l'opportunité d'en parler encore. Et j'en parlais encore et encore et encore. Pour que ces malades-là écoutent, comprennent, sachent qu'il y a désormais un médecin qui est spécialisé dans les pathologies du sommeil. Parce que les pathologies du sommeil, ce n'est pas de la médecine générale. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut apprendre ces maladies, n'est-ce pas, dans leur détail, dans leur intimité, pour bien comprendre ce dont souffrent les malades du sommeil. Voilà, donc je pense que la mayonnaise a commencé à prendre. Alors merci à vous, docteur, d'avoir accepté de votre temps pour répondre aux questions du magazine Check-up sur Canada International. Le docteur Jeffrey Mangé-Lobé, il est venu au Cameroun spécialement pour s'occuper de vous, toutes les personnes qui souffrent de pathologies liées au sommeil. La suite, docteur ministre. Après donc l'entretien avec le docteur Jeffrey Mangé-Lobé sur les troubles du sommeil, vous comprenez qu'il est important de dormir au moins 6 heures de temps par jour. Ça fait du bien à notre organisme. La suite de Check-up, c'est avec l'actu santé avec Diomatrice. Bon après-midi à tous et bienvenue dans la page actualité de votre magazine de santé Check-up. Une fois de plus, parlons du docteur Manaouda Malachi. Le ministre de la Santé a ordonné le retrait du marché du médicament Pneumorel. Il indique que le médicament en question a des effets néfastes, qui sont des troubles cardiaques, médicaments signalés au niveau de la plateforme de surveillance internationale de la santé publique. Lutte contre le paludisme, les autorités sanitaires, avec à leur tête leur ministre, étaient sur le terrain pour sensibiliser les communautés, plus précisément au quartier Tinga Briqueterie à Yaoundé. Pour ceux qui ne le savent pas, le paludisme reste un problème de santé publique au Cameroun. Les chiffres, 24,3% de consultations chez les enfants de moins de 5 ans, 45% des hospitalisations et 12,8% de décès. Autre maladie qui tue. Le choléra. À ce jour, 4 personnes décédées, une trentaine de cas confirmés à Garoua, dans le nord du Cameroun. Une épidémie qui donne des insomnies au personnel de santé. L'heure est donc au respect scrupuleux des règles d'hygiène. On termine par cette bonne nouvelle. Les tests du VIH-Sida seront gratuits dès le 1er janvier 2020. Cette gratuité concerne aussi les consultations médicales et les consultations prénatales pour toute personne vivant avec le VIH-Sida. C'est tout pour l'actu, à la semaine prochaine. Fin de ce magazine Check-up sur Canada 2 International. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la clinique de l'aéroport. Merci aux différents techniciens, Marius Kossou, Calvin Tekam pour son doigté magique. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec d'autres thématiques, bien sûr. À bientôt.